Bonjour Céline. Bonjour, il fallait que je clique sur j'ai compris pour Oula. l'enregistrement. Voilà, c'est fait. Voilà, bonjour. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté cet échange, Céline. Nous avons eu un premier échange il y a déjà quelques mois où nous avons plutôt en fait retracé un petit peu ta vie de femme militante. Et puis cette fois-ci, en fait, j'avais plutôt envie de parler de toi, c'est-à-dire peut-être de manière un peu plus intime. J'ai intitulé l'échange à cœur ouvert. En fait, tu es né en 1970 dans une famille d'origine modeste, consciente de l'investissement dans l'éducation et dans l'école de la République. Je pense que cette éducation-là, à mon avis, a dû te marquer à travers la manière dont toi tu t'es investi et la manière dont toi tu, je dirais, tu envisages la vie aussi au service des autres. Tu as subi en fait récemment, au mois de juillet, une opération à cœur ouvert. Et tu en parles effectivement sur ton compte Facebook à la date du 21 juillet 2021. On y reviendra. Je Alors, trouve des... je vais Oui. juste donner une précision. Je viens d'une famille d'origine modeste, mais mes parents avaient fait leur ascension sociale. C'est-à-dire que mes grands-parents, eux, étaient d'origine modeste, mais ils avaient tellement investi dans l'éducation que dans ces belles années 50, enfin plutôt 60-70, mes parents, eux, ont pu monter l'échelle sociale, prendre l'ascenseur, ascenseur qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Donc, c'est comme si j'avais bénéficié d'une fenêtre de tir qui s'est refermée. Et ça rend mon engagement encore plus fort parce que je trouve ça inadmissible que d'autres ne bénéficient pas des chances dont mes parents ont bénéficié. Et moi, quelque part, j'ai surfé sur ce qu'eux avaient construit. Je n'ai pas eu à me battre autant qu'eux. D'accord, mais ça, du coup, ça t'a marqué et ça explique certainement tes engagements, ce compris tes engagements politiques dont nous avions parlé dans l'échange précédent. Ce que je voulais également souligner, et on le verra de manière très concrète, c'est que je trouve que à certaines occasions, en tout cas à des moments clés, ton compte Facebook et tes échanges sont extrêmement personnels avec les personnes qui te suivent et les réactions que tu peux avoir, du coup, sont des réactions, je dirais, extrêmement touchantes aussi. Et c'est le point de départ, justement, Céline, de notre échange aujourd'hui. C'est justement cette opération à cœur ouvert que tu as dû subir, forcément, malgré toi, mais qui a apparemment remué pas mal de choses. Et avant d'entamer cet échange, je voulais savoir, parce que c'est important quand même. On parle ici de choses qui sont pas forcément évidentes dans le cadre d'un échange, je dirais, où on va un peu plus à l'intime, où on brise parfois un petit peu la carapace, qu'on laisse tomber le masque. Pourquoi en fait avoir accepté cet échange? Comment tu as perçu ma demande finalement de vouloir échanger avec toi sur ton vécu, sur cet événement extrêmement important qu'est l'opération à cœur ouvert? Je dirais que c'est peut-être pas tant la nature de la demande que la personne qui l'a fait. Il y a chez toi de la douceur, une vraie gentillesse, et je me suis dit, et puis les échanges qu'on a eus ont toujours été très, très francs et très directs, donc il n'y avait aucune crainte. Je me suis dit, ce n'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui, c'est pas du voyeurisme, c'est un vrai échange. T'as un vrai questionnement intérieur, et donc ce questionnement intérieur, je le trouve aussi intéressant. Et du coup, je sais que les gens qui ont ce questionnement intérieur respectent profondément les gens qu'ils ont en face d'eux. Donc voilà, du coup, ça ne me dérangeait pas d'en parler. La deuxième chose qui faisait que j'acceptais d'en parler, c'est que je trouve qu'on se met souvent en scène dans les moments où on est fort. C'est moi en plus grand que ce que je ne suis réellement, moi en plus beau que ce que je suis réellement, moi qui vis des choses bien plus fortes que ce que je vis réellement. Facebook et souvent la communication, ça sert un peu à ça. Et on s'y laisse tous piéger. C'est savoir donner une bonne image de soi, ça compte. Ça permet aussi de temps en temps de se tenir droit quand on a envie de s'effondrer. Mais il y a des moments où on touche vraiment du doigt la faiblesse, et pas que la faiblesse psychologique, la faiblesse physique. Et je trouvais important que quelque part, je sortais d'une période où on m'avait souvent vue à la télé, bien maquillée. Et en fait, cette faiblesse physique, elle m'a touchée de plein fouet. Elle m'a un peu vexée, elle m'a un peu blessée, mais en même temps, elle était réelle et j'avais besoin des autres à ce moment-là. Et je trouvais dommage de ne pas en parler, de laisser toujours une image contrôlée, alors que parfois dans la vie, on ne contrôle pas tout. Oui, tu as raison. Et c'est vrai évidemment, Céline, que
Le fait aussi de se dévoiler quelque part et d'en parler aux autres, ça permet aussi aux autres de voir réellement qui tu es et peut-être à eux-mêmes quelque part de se questionner aussi, de se retrouver face à eux-mêmes et se dire, voilà, quelqu'un que je connais, que j'apprécie, a osé s'exprimer sur son intimité. Du coup, ça fait écho, ça fait résonance chez moi et ça m'aide dans mon propre cheminement et éventuellement aussi à prendre la parole, à libérer cette parole parfois un peu douloureuse où justement on reste un petit peu enfermé derrière les apparences. Tu disais aussi lors d'un échange par Messenger avec moi, en fait, que j'ai beaucoup aimé ce mot. C'est vrai qu'il y a aussi une question, je dirais, de maïeutique, c'est-à-dire que le fait d'exprimer à voix haute son ressenti, les choses que l'on a vécues, ça permet quelque part de les objectiver, de mieux les préciser. C'est aussi un peu le but de l'échange, peut-être. Et puis parfois de se laisser toucher par ce qu'on vit soi-même. Moi, j'ai tendance à beaucoup repousser les choses. Les émotions sont compliquées à gérer, sont compliquées à... Quand j'ai une émotion, j'ai plutôt tendance à tout verrouiller et à essayer justement de me mettre en position de gestion, d'essayer de trouver la bonne distance. Et je me suis dit que de temps en temps, il fallait se laisser toucher par ce qui nous arrivait, plutôt que d'essayer toujours d'être dans la maîtrise et dans le contrôle. D'abord parce que c'est un faux contrôle parfois, c'est se mentir à soi-même. Et puis aussi parce qu'on n'est jamais seul et que dans les grands chocs qu'on prend, il y a toujours des gens, malheureusement il peut y avoir des gens qui vous enfoncent, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vous tendent la main, qui sont là, des personnes que vous attendez, votre entourage proche, et parfois des personnes que vous n'attendez pas. Pour ceux qui encaissent avec vous ce que vous vivez, je trouve que parfois on n'a pas assez de mots, on ne sait pas assez dire merci, on a du mal parfois à exprimer la reconnaissance qu'on ressent pourtant profondément. Moi, je peux avoir des côtés un petit peu froids et là, j'avais besoin de le leur dire d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est parfois difficile effectivement de rentrer, je dirais, dans l'émotion et de dire les mots simples de la vie. Pourtant, on est tellement finalement quelque part conditionné par notre vécu, notre culture, notre société. Le fait que dire des choses parfois c'est quelque chose qui ne se dit pas, justement, qu'il faut faire des événements extrêmement douloureux pour peut-être oser davantage dire réellement qui l'on est. En fait, tu es née, je l'ai dit tout à l'heure, Céline, en 1970, donc tu as 50, 51 ans. C'est ça. Voilà, et donc en fait, cet âge-là pour toi était un âge charnière. Ça a été quelque part une remise en question de ton vécu, ou en tout cas une façon de dire à un moment donné, j'ai un âge déjà honorable et ça me pose question. Je suis déjà assez loin dans la vie et donc, qu'est-ce que je veux pour la suite? D'abord, la première question qu'on se pose, je ne sais pas si c'est pareil quand on est un homme, mais en tout cas quand on est une femme, c'est la question de la séduction. C'est-à-dire que quand vous êtes... Moi, j'aimais bien parfois jouer sur le charme, tester un petit peu ma séduction. J'étais très peu sûre de moi quand j'étais plus jeune. Je pouvais en faire des tonnes. M'habiller très court. Voilà, j'avais besoin d'être assurée sur ma féminité, sur le fait que je pouvais plaire. Et puis, il y a un âge où ça devient moins important. Peut-être que ça devient moins important parce qu'on voit le regard sur nous changer. Et on voit cette forme d'invisibilisation physique qui était nue au départ et puis qui a tendance à prendre de l'importance. On sent qu'on ne va pas pouvoir jouer tout le temps sur les mêmes registres. Et puis c'est tant mieux parce que ça vous oblige d'aller un petit peu en profondeur. Mais les premiers temps, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas très très agréable. Et il y a une juste mesure à trouver entre le fait d'être obnubilé par l'impression qu'on peut faire aux autres et le fait d'avoir parfois une tellement grande distance que on peut même en arriver à la négligence. Aujourd'hui, c'est vrai que les apparences sont moins importantes pour moi, au point que de temps en temps, mes enfants me disent, mais enfin, quand t'es pas à Paris, tu pourrais mettre autre chose qu'un jogging. De temps en temps, on aimerait bien voir la personne qui fait des efforts le reste du temps. Mais voilà, il y avait, oui, il y a le fait de vieillir, forcément, vous amène à plonger au plus profond de soi. Pour trouver de l'intérêt à continuer à jouir de sa propre vie. Et on ne jouit pas de sa propre vie à 20 ans.
comme on jouit à 50 ans. Donc des fois, quand je vois, j'ai des beaux-enfants qui ont 17 et 19 ans et qui sont en plein dans cette période d'extrême jeunesse où on teste tout, où on découvre tout, où tout peut être source d'excitation ou de grands drames aussi d'ailleurs. Et moi, maintenant, il y a moins de sinuosité dans ma vie, ou en tout cas les amplitudes sont bien moins importantes, et j'arrive à trouver du charme et puis à approfondir surtout les liens qui me lient aux autres. Il y a peut-être une première période de sa vie où même quand on essaie de ne pas être égocentré, on l'est pas mal. Et la deuxième période de sa vie, elle est peut-être là pour plonger aussi un peu dans l'autre et dans les relations avec les autres, dans justement ces liens qu'on a tissé parfois inconsciemment, ben mieux les connaître, mieux les entretenir. Et je crois qu'il y a cette partie-là de la vie, elle m'intéresse aussi énormément. Mais c'est vrai évidemment, Céline, que les quelque part, j'ai envie de dire, les apparences sont peuvent être bluffantes, mais c'est vrai qu'évidemment, quand on joue là-dessus, quelque part, à un moment donné, cet équilibre est précaire et forcément, l'âge qui avance nous rattrape et on est obligé, du coup, de retrouver un équilibre, je dirais, qui est moins précaire, mais qui correspond davantage à ce que l'on est. Donc, il y a une remise en question quelque part qui se fait. Ceci dit, en fait, sur ton Facebook, j'ai vu et pour moi, effectivement, ce n'était pas anodin, un très bel article de toi qui est repris à l'entame de ton Facebook avec justement des belles photos hein, qui sont, où tu as évidemment été pris en photo par un photographe professionnel. Et donc je pense que c'était aussi important pour toi de te dire, voilà, j'ai 50 ans, mais je me plais encore, je peux encore plaire. C'est-à-dire que ces photos sont réellement de belles photos. Je veux dire, et je pense que c'est important à un moment donné de se dire, tiens, je me reconnais et je pense qu'on m'apprécie à travers le regard que le photographe, du coup, a posé sur moi. Alors, sur le, tu sais, on a toujours entre le regard que quelqu'un pose sur une photo et le regard qu'on pose soi-même sur une photo, c'est très compliqué. Moi, j'ai un rapport à la photo qui n'est pas simple. J'ai beaucoup de mal. Faut m'apprivoiser. Je plains toujours les pauvres photographes parce que je suis crispée, tendue. Donc, ils doivent prendre du temps pour que j'arrive à me détendre et qu'ils sortent quelque chose du petit animal qui est devant eux. Et dans le résultat, c'est toujours un proche étranger, en fait. À la fois, on se reconnaît, et en même temps, il y a une forme de distance. D'abord parce qu'on ne se voit jamais. En fait, on a une image de nous dans notre tête, une image qui ne vieillit pas ou qui est peut-être pas un peu pixelisée, pas vraiment très précise. Et quand on se retrouve face à une photo, surtout face à une photo de qualité faite par un photographe, des fois, il y a tellement de précision que c'est comme s'il y avait trop d'informations. C'est l'image physique qu'on a de nous-mêmes, elle est peut-être beaucoup plus épurée dans le fond. Donc voilà, moi j'ai un rapport à la photo qui n'est pas simple. Je suis plus à l'aise dans les choses filmées. Parce que ça bouge, il y a du mouvement, on voit les mains, on voit plein de choses. Se concentrer sur le visage, ça m'embête toujours un peu. Comme si, en fait, dans ma tête, je n'avais pas ma vraie tête. Tu sais, je pense qu'on a une image de soi qui n'est pas vraie, qui en plus ne vieillit pas forcément. Peut-être une image de ce qu'on aimerait être. Et voilà, moi, dans ma tête, je reste encore. Je ne me vois pas aussi mûre que je me vois sur les photos, voilà. Mais je les trouve très belles et je trouve que ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on exprime, que moi j'exprime pour moi par l'écrit, par la parole. Et puis ce qu'on est aussi et le physique qu'on a, ça fait partie de l'impression qu'on provoque, ça fait partie des attirances ou des haines qu'on suscite d'ailleurs et qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc c'est important de se confronter à ce soi extérieur qu'on ne maîtrise pas. Tout à fait. Et c'est vrai que pour un petit peu justement, on le disait, essayer de comprendre, de voir, finalement, que tu nous donnes à voir quelle est la femme que tu es. J'avais en fait envie de faire notre entretien, je dirais, au travers de 5 jalons. Au travers de 5 dates clés qui ont dû être marquantes dans ta vie. Je dirais la première date clé, peut-être, ce n'est pas anodin, c'est un livre que tu as écrit maintenant et pas avant, qui est sorti en avril 2021, qui s'intitule C'est bien essentiel, dans une crise sanitaire évidemment qui nous a tous impactés de manière plus ou moins forte en fonction de notre personnalité, de notre environnement, de notre famille. Mais donc,
tu mets évidemment un petit peu, je dirais, en opposition, c'est bien essentiel par rapport à ces besoins primaires qui sont évidemment des besoins essentiels, entre guillemets aussi, mais qui sont les premiers à être pris en considération par les législateurs. Toi, tu as voulu quelque part un petit peu mettre le focus sur ces biens essentiels. C'est aussi, j'imagine, en lien avec ta propre perception de la vie, ta propre évolution intérieure, ce livre-là. Qu'est-ce qu'il a d'essentiel pour toi, ce livre-là, justement? En fait, au départ, il naît d'un blocage. C'est-à-dire que j'avais écrit un premier livre en 2016. Tout le monde me disait, il faut écrire son second livre, c'est important. Et j'étais complètement bloquée. J'avais l'impression que, de toute façon, en fait, quand on est dans le combat, on ne voit pas les choses avancer. On a l'impression parfois qu'on cultive un champ stérile. Et on se dit peut-être que si le champ est stérile, c'est que le jardinier n'est pas bon. Voilà, et donc j'étais dans une période un petit peu compliquée. Et puis c'est Michel Onfray, en fait, qui m'a fait bouger en me présentant son éditeur et en me disant, mais tu devrais écrire quelque chose lié à la culture. Après tout, pourquoi pas, parce que cette histoire de librairie que l'on fermait m'avait assez agacée. Et j'étais très attachée à la librairie qu'il y a non loin de chez moi, dans laquelle j'achète pas mes livres sur Internet, je vais les commander quand ils sont pas là, j'attends quelques jours. Et le contact avec ces deux libraires qui sont assez fantastiques, qui sont pleins de vie, me plaisait beaucoup. Et donc la fermeture de cette boutique m'avait particulièrement affectée. Et du coup, mais écris là-dessus. Je dis, mais rien à écrire là-dessus, je ne vais pas écrire sur le fait que je suis agacée parce que ma boutique préférée est fermée. Elle me dit, mais non, en fait, ce n'est pas ce que tu dis. Écoute-toi un peu. Et puis, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, derrière la librairie, c'était la culture. Derrière la culture, c'est la civilisation. Et que j'étais très effrayée d'être ramenée finalement à quelque chose de très physique, à tous ces besoins primaires et à mes peurs primitives. Parce que moi, j'ai eu très peur du Covid. La maladie est quelque chose qui m'effraie. Je viens d'une famille de médecins. C'est pas pour rien si moi, en revanche, je ne suis pas du tout allée vers le médical. Être confronté à la mort, ou en tout cas à la faiblesse au quotidien, tout ça, c'était des choses qui m'effrayaient énormément. Et tout d'un coup, je me retrouve, comme tout le monde, confrontée à ça avec une maladie qu'on ne connaissait pas, dont il semblait qu'on n'arrivait pas à l'arrêter. En fait, c'est faux, on va assez rapidement réagir, on va trouver des vaccins, on va trouver des réponses finalement très vite. Et je me suis dit, il y a deux choses. Il y a cette chose qui nous ramène à notre animalité, à ces peurs primitives, mourir, mais avant de mourir, c'est ne pas avoir assez à manger. Cette peur, tout d'un coup, on est des êtres de consommation, on est habitué à ce que tout nous soit disponible, à ce que tous nos désirs, à défaut d'être existé en tout cas, enfin d'être exaucé en tout cas, soit accessible, ou en tout cas soit dans le premier magasin qu'on croise, y compris les très belles voitures, le luxe, etc. À tel point qu'on se dit finalement des légumes à manger, il y en aura toujours, c'est pas ça qui compte. Et tout d'un coup, on va quand même avoir aussi cette peur de l'approvisionnement. On la voit aujourd'hui d'ailleurs dans les difficultés que l'énergie augmente énormément, mais parce qu'on a du mal à en avoir assez pour la produire. On a pris conscience tout d'un coup qu'on n'était plus producteur d'énormément de choses et qu'on était dépendant des autres, que le monde n'était pas un grand magasin à ciel ouvert dans lequel on se servait en fonction de ses besoins, qu'il y avait des équilibres géopolitiques, que le monde était bien plus dangereux qu'on ne le pensait. Bref, je trouve qu'on a été mis en face de notre finitude et de notre fragilité. Et face à ça, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas paniquer, pour ne pas devenir un loup pour l'autre, parce qu'on a le sentiment que il peut nous prendre ce dont on risque d'avoir besoin. Comment est-ce qu'on fait pour éviter la mise en compétition générale? Et je me disais, il n'y a que dans la civilisation qu'on arrive à trouver cela. Et la civilisation, ça passe par les livres, ça passe par la connaissance. Et pour moi, la connaissance livresque est la plus importante parce que c'est celle dans laquelle on plonge dans l'intime. Ne serait-ce que parce que dès qu'il y a un écran, pour moi, j'ai beaucoup de mal, par exemple. Je fais énormément de fautes quand j'écris sur un écran. Quand j'écris à la main, j'en fais beaucoup moins. Pour moi, il y a une forme d'inattention liée enfin, à l'écran.
Parce qu'au visuel, c'est pas vrai. Lire un livre, c'est extrêmement visuel. Mais il y a beaucoup plus de concentration et de don de soi, peut-être, quand on est dans la lecture, dans le palpable. Et du coup, tout cela m'a amené à réfléchir, puisqu'on était en face de la finitude, à qu'est-ce qui nous donnait un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de temps, qu'est-ce qui nous reliait finalement à une forme d'infini, ou en tout cas à nous mettait dans le maillage des gens, le fait qu'on appartient à une chaîne et qu'on est à la fois le maillon et la conscience de la chaîne. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui se nouaient autour de ces questions-là. D'accord. Et tu parles en fait, Céline, de finitude et de fragilité. Et je pense, en voulant échanger avec toi, en fait, j'ai repris un petit peu ton fil Facebook. Et c'est ce qui m'a donné un petit peu l'idée de faire cet échange aussi de cette manière-là. C'est-à-dire que finitude et fragilité, quelque part, je l'ai retrouvé chez toi, au travers finalement de quatre événements clés qui sont effectivement des événements qui, à mon sens, ont dû te marquer et quelque part ont dû t'aider, j'ai envie de dire, dans la chair à vivre cette réalité très concrète que tu as peut-être écrite dans le cas de ce livre, Les biens essentiels, mais là, pour le coup, tu as vécu quelque part ces biens essentiels qui sont, je dirais, le lien de manière extrêmement concrète. Et je voudrais du coup les reprendre un à un avec toi pour que tu puisses, si tu le souhaites, les commenter. Le premier événement, en fait, qui, me semble-t-il, était marquant pour toi. Tu l'indiques sur ton compte Facebook le 1er juin 2021. Tu écris ceci. C'est un peu long, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de te lire en entier parce que d'abord, tu écris bien et tu écris, je trouve, de manière extrêmement sensible. Donc, je t'avoue que moi, ça m'a beaucoup touché et je pense que du coup, ça peut aussi rejoindre d'autres personnes. Donc, le 1er juin 2021, tu écris ceci. J'ai eu le bonheur de connaître tous mes grands-parents et le chagrin de les voir disparaître. Je viens de perdre ma dernière grand-mère à 99 ans. Elle s'est éteinte paisiblement. Avec elle, c'est une part d'enfance et d'insouciance qui disparaît. Pour l'instant, elle est encore là, dans sa maison, et cette présence à la fois très physique et totalement désertée rend la mort presque familière, une sorte d'ennemi intime qui, chaque fois qu'elle vous prend un proche, vous adresse un petit clin d'œil pour vous rappeler qu'elle honorera aussi votre rendez-vous. Elle les honore tous, c'est même notre seule certitude. Alors, pour l'instant, tout le clan s'est réuni. La famille proche, mes parents, ma tante, mon cousin et sa femme, ma sœur, tous les enfants. À côté du froid de la mort, il y a la chaleur humaine des retrouvailles, et l'on oscille entre fou rire et larmes, nostalgie et projet, chagrin et douceur. Un moment suspendu en attendant l'inhumation. La lourdeur de cette terre qui tombe sur le bois du cercueil. Ces fleurs que l'on jette pour les étouffer immédiatement comme un sacrifice. L'inhumation en dérobant le corps installe vraiment dans le définitif. En attendant ce soir, pour la dernière fois, j'irai lui dire bonsoir et lui caresserai une dernière fois la main. Parce que dans cette histoire, dans cette chambre, je ne vois pas un corps mort, mais mamie, et lui souhaiter une bonne nuit, c'est important. Elle va être si longue. Ce qui m'a interpellé dans ton texte, Céline, c'est tu dis ceci en fait, avec elle, c'est une part d'enfance et d'insouciance qui disparaît. Quelle part d'enfance, en fait, d'insouciance est disparue pour toi dans la mort, justement, de cette personne qui t'était chère et qui, quelque part, vient un peu clôturer les autres décès qui se sont succédés avant? Tu sais, déjà, il y a un truc très étonnant, c'est que je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, j'avais oublié ce texte. J'avais l'impression que je n'avais pas rendu hommage à ma grand-mère. Sans doute parce que, comme elle est, ça a été une mort paisible, mais les derniers mois ont été très compliqués. Je pense que quand quelqu'un disparaît et que la prise en charge est très compliquée, on est ambigu. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans la peur de la disparition, dans la peur de la mort, et puis dans le fait aussi que c'est tellement lourd que de façon inconsciente ou consciente, parfois on la souhaite. Et du coup, quand ça arrive, on se sent immensément coupable. Coupable, on a à la fois la douleur, une forme de soulagement parce que c'était plus une vie, mais c'était plus une vie pour elle, mais c'était parfois plus une vie non plus pour ma mère ou ma tante qui s'en occupaient. Et donc on est en colère contre soi, en colère contre celle qui est partie et qui nous a laissés, en colère aussi de la période d'avant qui n'a pas été simple à gérer.
Et du coup, tout ça a fait que j'avais besoin de lui rendre hommage parce que, oui, moi, ma grand-mère, elle a, vous savez, c'était ces femmes nourricières qui accueillent, quand elles accueillent, et ben, elles accueillent tout ce qui est là. Et s'il n'y a pas assez de lits, et ben, on met des matelas par terre. Et s'il n'y a pas à manger, assez à manger, on partage. De toute façon, il n'y a jamais pas assez à manger parce que même quand il y a 3 personnes, elles font pour 6-7. Mais c'était aussi des femmes qui avaient de l'autorité parce qu'elles géraient énormément d'enfants. C'était des femmes aussi, c'était souvent malgré tout des femmes empêchées. Que ce soit mes deux grand-mères, elles étaient très intelligentes. Elles avaient une capacité à entreprendre qui était réelle, mais elles ne sont pas nées dans la bonne époque. Et pour leur époque, finalement, le seul moyen dont une femme devait se réaliser, c'était dans la famille, dans la tenue de sa maison. Et elles l'ont fait, elles ne se sont pas rebellées, elles l'ont fait très bien, elles ont dû y trouver quelque chose puisqu'elles nous ont transmis énormément d'amour. Et je crois que quand on est dans l'empêchement total, on ne peut pas transmettre de l'amour. Donc malgré tout, elles y ont trouvé quelque chose. Mais elles étaient faites pour, j'allais dire, des tenues bien plus larges, des espaces bien plus larges. Et elles le savaient. Elles avaient accepté leur sort, mais comme elles savaient que pour nous, ma sœur, moi, sans doute pour leurs enfants aussi, la vie pouvait être différente. Elles nous ont poussés énormément, y compris en nous disant, voilà, l'amour c'est important, fonder une famille c'est important, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et vivez votre vie. Et à la limite, si vous vous mariez pas, c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. Trouver déjà quelqu'un, c'est bien. Faire des enfants, c'est bien. Mais on peut réaliser aussi sa vie autrement. Elle nous transmettait une forme de désir de liberté qu'elle n'avait pas eue, mais à la différence de certaines femmes qui, quand elles n'ont pas eu de liberté, enferment leur fille, elles, au contraire, leur manque de liberté leur a donné envie de nous libérer tout en nous donnant des règles. Parce que la vie est quand même cruelle, la vie est difficile. Et si on s'aventure sans une petite carapace, il y a pas mal de prédateurs aussi. Donc c'était une belle transmission, je trouve, parce qu'il y avait à la fois de la protection et de la liberté. Et elles n'imposaient absolument pas le modèle qu'elles avaient vécu, pas plus qu'elles ne le rejetaient. Finalement, après tout, il y a des femmes aussi qui s'épanouissent énormément dans leur vie de famille. Et moi, ma vie de famille, pour moi, elle est extrêmement importante. D'autant plus qu'ayant eu des enfants tard, j'ai pu mesurer vraiment ce que ça impliquait et la façon dont et l'amour que je ressentais et que j'avais jamais ressenti avant pour qui que ce soit. Je dis toujours que souvent, on dit qu'on pourrait laisser sa vie pour l'autre. Quand on a des enfants, ça passe pas par la tête, c'est tripal. C'est notre ventre qui dit, mais pour eux, je laisserai ma vie et j'aurais même pas à réfléchir pour le faire. C'est une évidence. Dans d'autres liens, c'est un choix, c'est une réflexion, c'est tout un travail sur l'amour. Avec les enfants, je trouve que c'est direct, ça va du ventre au ventre. Et C'est c'est plus très bien que charnel. ce soit comme ça aussi. Voilà, ces liens charnels. C'est amusant parce qu'en fait, ils marchent en descendant. On les a avec ses ascendants, mais c'est d'eux dont on attend inconsciemment le sacrifice, alors qu'avec ses descendants, c'est nous qui sommes en première ligne et ça change énormément de choses. Et je pense que ce soit mes grands-parents comme mes parents, ils m'ont transmis cette idée d'amour inconditionnel parce qu'ils l'éprouvaient et parce que je me suis toujours dit, en les connaissant, qu'ils auraient donné leur vie pour moi. Et ça donne une force immense. Je dis toujours que c'est ça qui donne la force de, si on tombe cette fois, de se relever 8. Mais peut-être aussi, c'est ce qui donne évidemment de la force, c'est le fait justement d'avoir vu l'exemple, hein. Pas simplement de nouveau dire des choses de manière théorique, mais effectivement voir ceux que l'on aime, nos ascendants, les voir réellement réaliser ce qu'ils disent. Il y a toujours évidemment ce conflit, je dirais parfois un peu éternel, entre le dire et le faire. Mais quand on fait ce qu'on dit, évidemment, ça impacte très jeune l'enfant et ça l'incite aussi à voir concrètement comment la vie se déroule et comment effectivement on peut mener une vie bonne et juste par rapport à soi, mais par rapport aux autres aussi.
Et puis moi je me souviens, mais alors c'est ma grand-mère maternelle là dont je parle. C'était une famille très unie et je me souviens parce qu'il y avait des frères, des sœurs, donc j'avais des grands-oncles, des grandes-tantes qui, hélas, sont tous disparus. Mais ce dont je me souviens, c'est de leur fou rire. Ils avaient toujours des choses à raconter. Ils partaient toujours faire. C'était à Perpignan notamment qu'ils habitaient, donc ils allaient souvent en Espagne. Et les passages de frontières où forcément ils ramenaient de l'alcool, des tas de trucs. C'était toujours épique. C'était toujours raconté dans des grands éclats de rire. Il y avait cette capacité à réunir autour d'eux que d'ailleurs la génération suivante, celle de mes parents, mes cousins. On gardait, on part régulièrement tous les 2 ans à peu près en famille tous ensemble. Donc des liens qui ont été tissés de façon extrêmement forte. Il y a ce rire, il y a ces engueulades. C'était des gens, voilà, il y avait toujours énormément un peu de drames de temps en temps, mais c'était un drame qui n'était pas lourd parce qu'il y avait des engueulades homériques et des réconciliations tout aussi homériques. Donc ça vous apprend qu'en fait on peut déborder. On est tous des rivières qui parfois ne restent pas dans leur lit. Quand on déborde, on fait des dégâts. On n'ignorait pas les dégâts. Parce que quand on se réconciliait, celui qu'on avait blessé vous disait quand même qu'il avait été blessé. Pourquoi vous l'aviez blessé? Les gens essayaient de s'améliorer, mais bon, la nature parfois reprenait le dessus. Mais ça voulait dire que le conflit n'était pas rupture, qu'on pouvait parfois mal agir et réparer. Et que même si on disait ça laissera des traces. En fait, dans le fond, au fil du temps, ça en laissait pas si on s'améliorait, si on veillait à restaurer le lien. Si... Donc finalement, on pouvait toujours changer les choses en mieux. Et ça aussi, c'est une grâce quand les gens vous transmettent ça. Il y avait pas de rancune inextinguible. Voilà, il n'y avait pas de violences impossibles à arrêter, de querelles impossibles à réparer. Alors, il y a peut-être dû en avoir, on a peut-être toujours une vision un peu. Mais en tout cas, dans ceux qui étaient mon entourage et auxquels je tenais, ils ont toujours été là. Ce qui est important, parce que quand on sait effectivement ce que les dissensions peuvent pourrir une vie, et puis parfois de génération en génération, quand il y a en plus le secret familial qui vient effectivement se greffer tel une chape de plomb, ça peut effectivement être extrêmement destructeur aussi pour la famille, les enfants et les générations qui viennent. Donc Il y avait des c'est... secrets, Oui. mais je trouve que, en tout cas, à l'étage de mes grands-parents, ils ont essayé autant qu'ils ont pu, hein, dans ce grand cercle familial, il y en a qui avaient j'allais dire, des sacs à dos bien plus chargés de cailloux que d'autres, hein, tout le monde n'était pas égaux, mais dans l'ensemble, ils ont essayé de rompre, enfin de ne pas transmettre la charge comme ils l'avaient reçue à leurs descendants. Ils ont toujours essayé d'alléger la charge. Ça a plus ou moins bien marché, mais ne serait-ce que parce que la démarche a été faite, l'étage en dessous s'en est en général toujours mieux sorti. Donc non, et pourtant c'était des gens qui étaient très simples, qui n'avaient pas forcément la psychanalyse, ce n'était pas leur truc. L'introspection, je pense qu'ils avaient un regard sur eux-mêmes. En tout cas, ce n'était jamais théorisé. Ce n'était pas leur environnement. C'était des gens qui agissaient et qui aimaient, mais qui, de façon inconsciente, ont toujours choisi la réparation, la vie, plutôt que ce qui était néfaste, avec leurs moyens. Et ça, c'est un bel héritage. Tout à fait. Et alors Céline, tu es plutôt une femme, je dirais, publique et qui a aussi l'occasion, de manière régulière, je dirais, de partager, ton vécu, tes idées, tes convictions sur ton compte Facebook. Et là, pour le coup, si on va en arriver à ce deuxième événement que je voulais effectivement partager, avec toi et avec les autres, c'est évidemment cet événement central qui, cette fois-ci, je dirais, te concerne au premier chef et que tu relates sur ton compte Facebook le 21 juillet 2021, où tu dis ceci en quelques mots: il arrive qu'il faille parfois accepter un petit passage à l'hôpital. Quand c'est pour aller mieux, après, ce n'est qu'un mauvais moment à passer.
Je quitte donc les réseaux sociaux pour une quinzaine de jours et vous souhaite à tous de profiter de votre été. À très vite. En fait, c'est une opération à cœur ouvert, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux sur le plan médical. J'imagine que ça va quand même pas mal te bousculer quand tu apprends effectivement qu'il va falloir passer sur la table d'opération. Comment tu as vécu en fait cette opération, Céline, et qu'est-ce qu'elle a signifié au plus profond de toi, et quelque part, qu'est-ce qu'elle a aussi bousculé en toi? Dans notre échange, tu disais, cela fait émerger beaucoup de choses. Les choses, évidemment, c'est encore un mot abstrait, et je sais qu'il faut, et il t'a fallu, je pense, un certain temps avant de décanter ces choses-là, et de pouvoir peut-être préciser de quelles choses il s'agissait exactement. Comment tu as traversé l'opération, et est-ce qu'effectivement ça a changé quelque chose en toi? Et si oui, qu'est-ce que ça a changé en toi? Alors ça a changé après. En fait, ce qui m'a intéressée, c'est que avant, j'étais dans le déni le plus complet et le plus total. Je passe mon temps parfois à donner des conseils à mon entourage en leur disant notamment, quand vous avez un problème médical sérieux, n'allez jamais seul au rendez-vous. Faites-vous toujours accompagner parce qu'on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre et que le cerveau a une capacité à évacuer ce qui lui fait peur ou ce qu'il n'a pas envie d'affronter, qui est incroyable. Sauf que moi, j'estimais que je n'étais pas comme les autres. J'étais bien plus maligne. Moi, je maîtrisais ça. Je ne pouvais pas être dans le déni, enfin. Ce n'est pas vrai. J'étais peut-être encore pire que les gens que j'ai pu accompagner, qui au moins entendent la moitié de ce qu'on leur dise. Moi, j'ai rien entendu. Je suis allée voir deux chirurgiens, tout aussi brillants l'un que l'autre, qui m'ont tous les deux expliqué ce qui allait se passer. Et je n'ai pas compris qu'on allait me faire une opération à cœur ouvert. J'ai pensé qu'on allait passer par les artères, par les veines avec un petit robot. Enfin, je ne sais pas ce que je me suis imaginé. En revanche, tout mon entourage, lui, l'avait compris. Et en fait, ce qui me stressait, c'était, j'ai toujours eu peur en fait de l'anesthésie. J'ai peur de ne pas me réveiller. Et donc ça suffit à alimenter beaucoup de craintes, mais j'étais absolument pas consciente que j'allais avoir une opération à cœur ouvert. Quand j'écris ce message le 21, je n'en suis toujours pas consciente. Et puis en fait, on se rend compte que finalement, on ne parle pas de nos peurs. Et l'entourage a tendance à se dire, si elle n'en parle pas, c'est qu'elle a besoin de se protéger, donc il ne va pas aller gratter pour susciter un stress qu'il estime inutile. Et quand je me suis retrouvée sur la table d'opération, il y a quelques bricoles à faire avant d'opérer. Et à un moment donné, il y a une dame qui est venue me voir en me disant, bonjour, je suis la personne qui va se charger de votre circulation extérieure. Et là, tout d'un coup, j'ai compris ce qui allait m'arriver. J'ai eu une terreur, mais panique d'animal, du genre, je vais arracher tous les fils, je vais partir en courant. Chose impossible, absolument pas en état de le faire. C'est d'ailleurs pas du tout la bonne réaction. En fait, 5 minutes après, parce qu'il y a un petit temps malgré tout, vous êtes endormi et la question ne se passe plus. Mais j'ai connu à ce moment-là une telle montée de stress que l'anesthésiste a dit, la dame, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire là, en direct? Ben, en fait, en direct, je comprenais que c'était une opération à cœur ouvert et j'étais sur la table d'opération. Et ça m'a bouleversée parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut être prétentieux envers soi-même quand même, de ne pas comprendre que. En fait, je ne pensais pas que j'avais une telle capacité de déni. Pour moi, dans ma tête, dans l'imaginaire que j'avais de moi-même, j'étais quelqu'un d'extrêmement lucide, qui affrontait tout, qui faisait face au réel. Voilà, mon grand truc, c'est moi, je fais face au réel. En fait, non. À un moment important de ma vie, au lieu de faire face au réel, j'ai carrément fui. Et je ne me suis même pas raconté une histoire. J'ai juste refusé d'ouvrir les yeux parce que les gens m'ont dit, mais enfin, tu pensais quoi? Ou tu pensais à quoi? Et l'horreur, c'est qu'en fait, la vérité, c'est ben, je pensais à rien. J'avais juste peur de l'anesthésie. Et quand vous êtes confronté à ça, d'abord, c'est votre image de vous-même qui en prend un petit coup, ça va, hein, on s'en remet. Il y a pire dans la vie comme choc. Mais je me suis dit, bah, tiens, ça t'apprendra peut-être de temps en temps à juger de haut. À trouver que ma foi, les gens ne sont pas si lucides que ça. Ben non, les gens, ils font ce qu'ils peuvent et toi, tu fais ce que tu peux. Et face à quelque chose qui te terrorise, t'as pas les mêmes peurs, on n'a pas les mêmes peurs. J'ai un copain qui a quelque chose qui ressemble énormément à ce qui m'est arrivé. Lui, il est allé sur Internet, il a tout regardé, il a regardé des images d'opérations à cœur ouvert, etc. Moi, pas et toujours pas. Hein. Je refuse de me confronter à cette chose-là.
Donc voilà, en fait, j'ai géré par le déni en reculant en fait l'échéance jusqu'au dernier moment. Donc ça m'a appris beaucoup de choses sur le fait que j'étais tout à fait capable de me tromper moi-même et que là-dessus, j'étais très peu différente parfois de gens dont j'estime qu'ils devraient faire preuve de plus de courage ou de force. Donc ça m'a ramené. Voilà, c'est bien de temps en temps de se prendre une bonne baffe à son orgueil, surtout quand on se targue de ne pas en avoir tant que ça. Donc voilà, ça m'a remis un petit peu d'équerre sur ces questions-là. Après, je dirais que comme je pense qu'il y avait une grande, grande peur de mourir, de ne pas poursuivre la vie, d'abord on se rend compte qu'on l'aime, même si on râle, même si. Et ensuite, c'était ne perds pas ton temps. À plein de choses stupides, ne perds pas ton temps à cultiver des querelles inutiles, ne perds pas ton temps dans des haines que tu n'assouviras pas, et continue à combattre, mais essaie d'avoir le moins de colère possible, de perdre le moins de temps dans la colère, de perdre le moins de temps possible dans les obsessions, de ne pas avoir de rancœur parce que quand tu agis, le monde n'est pas changé, que ce soit profondément ou à la marge. Dis-toi bien que peut-être que la graine que tu sèmes, tu ne la verras pas pousser. C'est comme la personne qui plante un arbre pour que ses enfants s'abritent dessous. Ben, peut-être que toi, tu es au moment où tu plantes la graine. Donc, avant que tu aies l'arbre, les fruits et l'ombre, eh ben, il y a peut-être d'autres gens qui seront là à ce moment-là. Donc, voilà une forme de sagesse. Qu'on perd aussi vite qu'on l'acquiert, parce qu'après, la vie vous reprend, vous. Mais malgré tout, vous vous rendez compte que vous mettez un petit peu plus de temps à vous énerver. Ça m'a servi pour les procès qui sont en train de m'arriver. On se dit, bon, ben, fais face à la vie telle qu'elle est, telle qu'elle arrive, avec le moins de colère possible, et en essayant à chaque fois de voir le bon qu'il peut y avoir. C'est super cucul la praline, mais ce n'est pas entièrement faux. Par exemple, quand j'étais à l'hôpital, ça fait très très mal quand on vous casse le sternum. Voilà, il y a des gens qui sont occupés de moi, une jeune infirmière qui s'appelait Pauline, une aide-soignante qui s'appelait Myriam. Il y avait un jeune homme dont j'ai pas reçu le nom parce qu'il venait la nuit. Donc la nuit, j'étais toujours entre deux eaux, mais qui était d'une douceur absolue. Il y a le chirurgien qui s'est occupé de moi, qui était tout timide pour un homme qui fait des choses extraordinaires. Voilà, et même dans un lit dans lequel vous souffrez, il y a des gens autour qui vous donnent énormément de choses et ils ne vous connaissent pas. Enfin, ils vous les donnent comme ça, ils se battent pour vous comme ça. Il y a quand même il y a ce lien humain qui se fait que je trouvais très beau. Et puis après, il y a la découverte de la morphine. Et du fait que je réagis très très mal à ce produit et que je réagis en devenant paranoïaque, c'est-à-dire en ayant l'impression qu'on allait me faire du mal, que j'étais dans un environnement extrêmement hostile. Et j'avais à la fois ce sentiment extrêmement fort, l'incapacité de me battre contre ce sentiment, et la conscience que c'était complètement stupide et pourtant je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir peur. Quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, c'est pareil, vous jugez un petit peu moins après les réactions que vous ne comprenez pas parfois des autres, parce que vous-même, vous n'êtes plus en capacité de maîtriser complètement est-ce que vous ressentez, est-ce que vous faites. Ben en Donc, fait, il faut souvent vivre d'expérience, Céline, pour évidemment savoir ce que signifie telle ou telle épreuve. En fait, tu dirais a posteriori que tu avais, je dirais, quand même quelques difficultés par rapport à la vie, par rapport à sa réalité, que quelque part tu n'étais pas pleinement incarné. Et que quelque part, cette opération a un peu remis les pendules à l'heure. ben, en fait, le mot que tu as dit est très juste, incarner. Je pense que j'avais du mal avec l'incarnation. Je suis très cérébrale, je vis beaucoup dans ma tête et j'ai tendance à traiter mon corps comme un véhicule qui doit obéir.
peut-être pas, et parfois être énervé quand il prend le dessus, d'où le problème à gérer les émotions, d'où le fait d'ailleurs que je me tiens à distance les émotions, que je préfère être dans la maîtrise. Par exemple, j'ai toujours affirmé que la passion, c'était pas mon truc. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui me terrorise. L'idée d'être dépassé par ses émotions, l'idée d'être dépassé par son désir, était quelque chose qui, pour moi, je le voyais pas comme une incarnation. Ou comme l'acmé de l'incarnation, d'ailleurs, je le voyais plutôt comme une façon d'être défait par l'extérieur. Et c'est pas si simple, en fait. Donc, voilà, à un moment donné, c'est comme on remet l'église au centre du village, c'est réintègre ton corps. Tu n'es pas un ballon d'hélium suspendu au-dessus d'un élément physique que tu dois contrôler parce que c'est comme ça. Et non, cet élément physique, il a des besoins, il a sa part de vie, il t'alimente, il donne aussi ton énergie. Et être incarné, c'est le seul moyen de toucher l'autre et d'être véritablement en contact. Donc oui, ça me disait un petit peu ce que j'avais refusé de vivre. Et puis il y a des choses qui sont passées, elles sont passées, on n'y arrivera pas. Mais aussi qu'aujourd'hui, il fallait être beaucoup plus à l'écoute de ce corps, que j'en avais besoin et que quand je le maltraitais ou quand je n'y faisais pas attention, j'atteignais un âge où je le payais et je le payais cash. Donc, réintégrer son corps, 50 ans, il faut bien un jour y parvenir, et se dire que, en fait, il n'y a pas que par la douleur qu'on aurait pu le réintégrer, qu'il y avait sans doute d'autres choses à vivre avec lui. Bon, bah, celles-là, on ne les aura pas vécues, mais il en reste. Et pas que la douleur. L'incarnation, ce n'est pas que la douleur, c'est aussi la possibilité de prendre dans ses bras l'autre. C'est tout d'un coup porter de l'attention au contact de la peau. Par exemple, caresser le dos de son enfant pour l'endormir, c'est quelque chose d'extrêmement agréable. Et moi, depuis, par exemple, c'est le toucher, le massage. Avant, je n'aimais pas tellement ça. Je touchais les gens, mais je mettais la main sur l'épaule plutôt légèrement. Aujourd'hui, voilà, les gens que j'aime bien les prendre dans mes bras. J'aime bien les serrer, les voilà, il y a quelque chose d'un peu plus tactile aussi qui s'est ouvert. Mais c'est vrai que dans certaines familles, malheureusement, c'est peut-être aussi la culture qui a voulu ça, la société, mais le tactile, justement, n'était pas très bien vu. Je veux dire, l'éducation devait se faire un petit peu, pour faire bref, à la baguette, quoi. Et donc, montrer trop d'affection à son enfant, ce n'était pas forcément considéré comme étant une bonne chose. Il fallait le mater, lui mettre des limites et quelque part l'élever à pas la dure. C'était pas mon cas. Moi, c'est des Espagnols, ils étaient affectueux. Enfin, mes D'accord. parents sont toujours affectueux. On a toujours, quand on regardait la télé, c'était collé les uns contre les autres. J'ai pas pris énormément de baffes dans ma vie. De temps en temps, j'en aurais mérité sans doute un peu plus. Mais sincèrement, non, c'est plutôt moi, j'étais dans un environnement très affectueux. C'était plutôt moi qui avais. Cette forme de distance, mais qui était vraiment liée à cette cérébralité. Moi, je me souviens, avant d'être amoureuse, j'ai lu énormément de livres et j'ai abordé toutes ces questions, y compris les questions du désir, d'abord par la lecture. C'était largement avant de les expérimenter ou d'oser me laisser aller. Donc, je ne sais pas d'où ça me vient, mais voilà, il y avait cette distance-là. Et je peux pas le reprocher à ma famille parce que ma famille là-dessus sont plutôt vraiment affectueux. Même je me souviens qu'une fois, ça m'avait marqué parce que je devais avoir une vingtaine d'années. Et un jour, mon père me dit, tu sais, Céline, quand tu reviens, je venais à la maison pour le week-end, il venait me chercher à la gare. Il me dit, mais tu sais, quand tu viens ou quand tu pars, quand tu arrives, tu ne me fais jamais un bisou. Et en fait, c'était vrai. Et je ne me rendais pas compte, pour moi, je les aimais, donc c'était clair, ils devaient le savoir. Et qu'en plus, quand on est jeune, alors là, pour le coup, j'étais très obnubilée par moi-même. Et du coup, je faisais comme si leur amour était un dû ou un acquis. Bon, ça l'était d'ailleurs. En fait, je ne faisais pas comme si, ça l'était. Mais du coup, j'avais peu d'attention pour les gens qui finalement m'entouraient le plus et étaient le plus présents pour moi. Donc j'espère aujourd'hui que ça a changé et que je dis plus les choses
Mais voilà, ça m'avait marqué parce qu'au moment où il me le dit, je me dis, mais c'est vrai, quand j'arrive alors que je suis heureuse de le retrouver, je ne me précipite pas vers lui, je marche dignement. Voilà, il y avait toujours, j'ai toujours eu ce côté un petit peu, moi je me contrôle. C'est ça, bah oui. En fait, comme beaucoup d'êtres humains, finalement, on est très fort dans le contrôle. L'affectif n'est pas forcément quelque chose d'évident, et encore moins dans une société justement où il faut se battre, et tu as peut-être quand même dû, quelque part, pour faire ta place, même si ta famille était aimante, pour faire ta place, tu as quand même peut-être dû justement aussi te battre, mettre des limites, et quelque part, c'est aussi un peu se couper tes sentiments pour essayer à un moment donné d'avancer et de faire sa place. C'est pas évident entre l'émotion et se sentir respecté. Dans ses propres désirs et essayer de trouver sa place dans une société pas forcément bienveillante, c'est un challenge, quoi. Et surtout pour une femme, peut-être, plus quand même pour un homme aussi. Mais je pense que j'avais pas beaucoup, j'avais beaucoup lu. Et la littérature vous apprend que quand vous êtes une femme, vous êtes plus en position de victime qu'en position de domination. Ou alors la position de domination chez la femme, c'est par exemple dans les lieux sont dangereuses, Madame de Merteuil, pas très très élégant. Et je me sentais pas cette force-là, voilà, pas cette force de domination-là, et je voulais pas être dominée. Et quand vous êtes jeune, vous voyez pas la richesse des liens humains, vous êtes des fois extrêmement basique. Et donc je pense que j'avais très peur des hommes dans le fond. J'avais très peur de la relation amoureuse. J'avais très peur d'y perdre, d'être utilisée, d'être moquée. Quand j'ai été petite, j'avais été harcelée. Et donc, pour moi, les gens de mon âge, les adultes étaient protecteurs, encore que pas tous, mais enfin ma famille l'était. Je pouvais avoir confiance dans la famille, dans les amis, mais le reste, fallait faire très, très, très attention. Et donc, cette distance, elle aidait aussi parce que quand vous êtes jeune, vous êtes aussi prisonnier de vos élans physiques. Et les élans physiques, ils vous entraînent pas forcément vers ce qui vous sécurise. Et cette dichotomie entre le désir qui fait qu'en fait le salaud du coin peut se révéler très attirant, et le fait que je me disais, mais ça, est-ce que tu seras capable de t'en remettre si tu te laisses aller à tous tes appétits? Et je pensais que non, ou alors d'instinct, je savais que non. Et donc du coup, il y avait une forme de censure du désir, d'importance de la maîtrise qui était probablement d'autant plus fort que dans le fond, j'étais quelqu'un de violent. Donc, quand vous avez beaucoup de violence en vous et beaucoup d'appétit et que vous vous dites ce ne sera pas bon, eh bien, la discipline qu'il faut pour vous tenir, vous ne savez pas la mettre que dans quelques endroits. Forcément, elle va occuper toute votre existence. Et donc, je pense que j'avais une énorme méfiance dans tout ce qui n'était pas le cercle proche. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, mes amis avaient beaucoup plus d'importance. Les amours, pour moi, un jour, j'allais rencontrer, d'ailleurs, ça s'est passé, mais j'ai rencontré des gens très bien importants. Hein, mais malgré tout, c'était des choses auxquelles il fallait faire attention parce que le désir vous entraînait à ne plus maîtriser ce que vous faisiez et pouvait se révéler dramatique. C'est ne jamais laisser quelqu'un d'autre piloter votre char. Oui. C'est ça, d'où la difficulté, Céline, en fait, de lâcher prise et quelque part de se faire confiance. C'est Et ça. c'est aussi ce que tu disais quelque part dans un message quand tu m'as écrit le 12 août par rapport à l'opération, toujours, cela m'a amené à être plus bienveillante envers moi et moins en colère. Oui, parce que quand vous êtes comme ça, d'abord, on se trompe sur ses capacités de maîtrise. On est plus souvent confronté aux limites de la maîtrise que à son expression pleine et entière. Et du coup, j'avais tendance à me maltraiter dans le fond. J'étais jamais à la hauteur de ce que j'avais envie d'être. Mes résultats étaient à jamais à la hauteur de ce qu'ils auraient pu être. Mes actions n'étaient jamais aussi fortes et structurées qu'elles auraient dû être. Je mettais jamais assez d'efforts dans tout ce que je faisais, jamais assez de courage, même quand j'en faisais preuve. Enfin bon, il y avait toujours cette capacité à regarder ce qu'on n'atteint pas plutôt que ce qu'on a construit. Et là, je me suis dit non, prends le problème différemment. Ne serait-ce que parce que ça t'apaisera et t'as pas besoin d'avoir le cœur qui tape en permanence. Donc Tout à certes, fait. il y a des médicaments qui aident à ça, mais savoir changer le regard qu'on porte sur sa vie,
Et savoir être bienveillant envers soi-même, ça ne veut pas non plus dire tout reposer. Et j'avais tendance à être dans le tout ou rien. Et y compris même dans mes activités hyperactives, et puis pendant quelques jours, incapable de rien faire, sauf à se mettre des coups de pied au cul et à être très violente envers soi-même pour réussir à bouger. Là, je me suis dit, lisse les choses. Et à la limite, le jour où vraiment ça te passionne, bah, vas-y à fond. Mais arrête d'être en dents de scie. Alors c'était déjà un processus qui était à l'œuvre, hein, Bien mais sûr. ça m'a encore plus aidé à l'accepter. Mais j'ai vu aussi, en fait, Céline, que justement, quand tu dis les choses, quand tu lâches prise quelque part et que tu dis ce qui t'arrive, j'ai vu aussi que les réactions que tu as reçues sur Facebook étaient extrêmement, je dirais, attendrissantes, pleines de sympathie, de compassion. Donc, j'imagine que ça aussi, ça t'a quand même aidé à te dire, mais je ne suis pas seul, je suis apprécié, je suis quelque part aimé. Et suffisamment aimante pour en retour, effectivement, voir que les gens réagissent de manière positive et sont attentifs à ta santé, finalement, à ton bien-être. Ben, oui, ça m'a énormément touchée et je l'ai écrit d'ailleurs, mais j'avais eu déjà cette preuve-là en fait au moment où j'ai été attaquée en procès par Rokhaya Diallo et Lalab, où je me suis retrouvée dans une situation de terreur absolue parce que je me disais, à l'époque, j'avais aucun revenu et je me disais, non seulement tu mets ta famille en danger par tes prises de position parce qu'il y avait eu des menaces, etc., tu te mets en danger, mais en plus, alors que tu n'apportes rien de constructif, tu vas les fragiliser, tu vas faire peser un poids énorme, ces procès ont un coût très important. Et je me suis effondrée et j'ai dit sur Facebook, c'est bon, j'arrête, c'est pas la peine, ça n'a plus aucun sens, etc. Et il y a des gens qui ont ouvert une cagnotte, qui se sont organisés pour me soutenir moralement, financièrement, au point qu'aujourd'hui, je suis au moment, les 7 et 8 octobre, ces procès vont se dérouler, et j'ai eu l'argent pour faire face à tous les frais. Et donc là, c'était non seulement déclaratif, mais les gens se sont impliqués dans cette histoire. Et je les en remercie parce que tu disais que je pouvais être très touchante sur Facebook, je peux aussi être odieuse. Il y a des moments où je réponds, où je suis énervée, je suis agacée, quelqu'un dit quelque chose qui ne me plaît pas, je peux répondre de manière très dure, très sévère, et parfois c'est même arrivé de ne pas comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours le problème quand vous partagez un lien et que vous commentez au-dessus, il y a des fois les gens répondent au lien. Et il m'est arrivé d'être désagréable avec des gens qui étaient pourtant de vrais soutiens et qui en fait répondaient au lien. Oui, c'est compliqué, Facebook. La communication est parfois très compliquée, effectivement. C'est ça, mais voilà, il y a des moments où je peux être touchante sur Facebook, je peux être aussi une sacrée tête à claque. Voilà, j'essaie quand même d'être plus touchante que tête à claque Oui, si possible. mais je pense aussi que quand on a des convictions et qu'on les défend, qu'on sait d'où on les tire. Et ce qu'elle coûte. Je pense qu'aussi à un moment donné, peut-être on doit tenir quelque part son propre navire, son propre gouvernail, et du coup, on n'a pas envie de se laisser dériver par tout n'importe quelle réaction. C'est pas toujours évident, je veux dire, d'être en permanence bienveillant avec des personnes qui, quelque part, parfois, en fait, en tournant bien les phrases, quelque part, cherchent aussi à te piéger. Enfin, et Facebook, pour ça, évidemment, ce n'est que de l'écrit. Donc, on aurait les gens en face de soi pour en discuter, ce serait souvent beaucoup plus simple et beaucoup plus bienveillant. On n'en arriverait pas autant et aussi facilement et aussi rapidement à des conflits parfois absolument absurde sur un point de détail quoi. Ça Suis bien d'accord. c'est tout le problème des réseaux sociaux. Avant de passer en fait au prochain point, je voudrais quand même, parce que ça me paraît important, tu disais tout à l'heure, effectivement, quand on est vulnérable, c'est là aussi qu'on se rend compte quelque part quel est le mais quelle est quelque part la mobilisation des gens, et aussi évidemment ici à travers l'hôpital, on voit effectivement qu'il y a toute une série de personnes qui quelque part se mettent à ton service et sont extrêmement bienveillants. Et c'est plus effectivement que simplement c'est mon travail, c'est mon salaire et donc je m'exécute, mais c'est réellement le souci du bien-être de l'autre. Et tu dis notamment ceci dans un de tes messages Facebook: dans une période où je me suis senti très fragile et perdu, je n'oublierai pas mon infirmière Pauline.
Cette toute jeune femme de 23 ans a été d'une aide précieuse quand j'ai dû traverser la souffrance et faire une réaction violente à la morphine, tu en parlais. La valeur n'attend point le nombre des années, est une phrase très juste. Et je suis sûr que vous avez tous connu une Pauline qui ramène la lumière et le souffle quand la panique prend le pas sur la lucidité. Ça, je pense que c'est effectivement très, très vrai. Toutes les personnes qui sont passées par une épreuve savent très bien l'importance, évidemment, des personnes bienveillantes qui se mettent de fait au service de la personne souffrante. Donc, voilà un aspect évidemment extrêmement essentiel. Et je voulais du coup, Céline, pas Pauline, Céline, passer quelque part à la prochaine épreuve, puisque j'ai envie de dire, dans ta vie, elles se sont quand même du coup succédées sur une période extrêmement brève. Et pour moi, ce n'est pas non plus anodin. Tu en parles de nouveau de manière extrêmement poétique. Et les personnes qui ont des animaux savent effectivement quel est le lien affectif qu'on peut avoir avec lui. Et tu dis ceci, c'est à la date du 3 août 2021. Cela fait déjà 3 matins qu'en descendant les marches dans la maison silencieuse et endormie, je sais qu'il ne sera pas en bas, en train de m'attendre. Cela fait déjà 3 matins que mes premiers mots ne sont pas « Bonjour, mon grumeau », que je ne m'installe plus sur le petit canapé qu'il aimait tant parce qu'il arrivait encore à y monter et qu'il pouvait s'allonger à côté de moi et poser sa truffe sur mes genoux tandis que je lis la presse. Cela fait 3 matins que je ne commence pas la journée en regardant fumer la tasse de thé tandis que je lui gratte la tête pour notre plus grand plaisir à tous les deux. Plus jamais je n'essayerai de rabattre la petite crête iroquoise qui se dressait au-dessus de son crâne quand cela faisait trop longtemps qu'il n'était pas allé au toilettage. Son absence est encore cruelle et mettra un peu de temps à se transformer en nostalgie. Pour l'instant, j'entends encore le bruit de ses petites pattes sur le carrelage ou le parquet. Mais ce qui me manque le plus, c'est son regard. Difficile de trouver être vivant capable de vous regarder avec autant d'amour qu'un chien. Eux nous aiment même quand on ne le mérite pas. Même quand on est malade, sale, triste ou tout simplement pas à la hauteur. Ils nous aiment et c'est tout. C'est aussi simple que cela. Ce devrait sans doute être toujours aussi simple que cela d'aimer, mais quand on est humain, c'est toujours plus compliqué. C'est un peu ce qu'on vient déjà d'entrevoir ensemble, Céline. Il avait la même maladie que moi, un cœur plein de bonne volonté, mais irrégulier et fragile. Il te ressemblait un petit peu, ce chien grumeau. Ça, c'était compliqué parce qu'il m'a attendu en fait. Il m'a attendu, il a attendu que je revienne de l'hôpital et il est mort quelques jours après mon retour. Et lui, on pouvait pas l'opérer. Il prenait des cachets, on lui donnait de la pâtée spéciale pour. Mais bon, voilà, c'était. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est cet amour absolu que donnent les animaux et qui ne demandent rien. En échange, quand nous, on est toujours si exigeants, quand même les gens qui nous aiment, on leur reproche de ne pas nous aimer assez ou pas exactement comme on veut ou de pas avoir deviné nos désirs avant qu'on les exprime. Enfin, et quand on voit l'amour que peut vous donner un chien, on se dit, mais en fait, on ferait mieux d'avoir un côté chien. Dans l'amour qu'on donne et dans l'amour qu'on reçoit, on serait probablement beaucoup plus heureux. Et ça manque parce qu'effectivement, c'est un regard qui est, même si vous êtes aimant, il m'arrive d'être en colère, il m'arrive de dire des mots que je ne pense pas. Jamais j'ai vu mon chien être en colère contre moi ou me menacer. Au pire, si j'étais désagréable, il ne comprenait pas, il était malheureux. Voilà, je trouve que c'est dans cet amour absolu et infini des animaux, on voit le reflet de ce que pourrait être le nôtre si on était moins compliqué. Mais Ouais. on est comme on est des êtres humains, on est compliqués. Bien sûr, et un chien n'est pas un autre non plus, ils ont aussi chacun leur caractère, leur personnalité, quand ils n'aiment pas quelqu'un, ils le disent aussi clairement, donc je veux dire, ils peuvent être cash aussi. Oui, mais en général, leur maître, avec leur maître, il y a Oui. des amours absolus qui Bah est oui. incroyable. Ouais. Et donc tu dis effectivement également dans ce même passage, la médecine et la science m'ont sauvé, mais pour Grumeau, il n'y avait pas de solution. Et effectivement, ce livreur qui dépose un colis et tu ouvres intrigué, c'était le pâté spécial chien cardiaque dont j'avais oublié que nous avions renouvelé le stock. Alors devant les boîtes de conserve, j'ai pleuré longtemps. C'est vrai qu'on peut pleurer longtemps pour un être humain, on peut aussi pleurer longtemps pour un chien qui est plus qu'un chien, qui est vraiment un ami, un compagnon de vie, un compagnon de route qui nous a vu grandir, enfin qui nous a vu vivre plutôt et avec lequel il y a quelque chose qui c'est incroyable qui peut passer, quoi, c'est au-delà des mots. Mais ça parle aussi des chagrins qu'on diffère.
C'est-à-dire qu'il y a des fois où, quand le chagrin arrive, c'est moi qui l'ai trouvé le matin. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis réveillée, je l'ai vu et j'ai tout de suite su qu'il dormait pas. Parce qu'en fait, quand je me réveillais, il bougeait tout de suite pour venir vers moi. Le grumeau qui bouge pas pour venir vers moi, c'était pas logique. Mais je me souviens d'avoir crié, d'avoir protesté, enfin, de m'être mis en colère contre le monde. Mais j'ai eu du mal à le pleurer. J'en voulais à la terre entière parce que mon chien était mort. Et il a fallu ces 3 jours et que ce colis qui arrive pour que tout puisse lâcher. Et ça arrive souvent dans la vie, si on a une émotion très forte, et à ce moment-là, peut-être qu'il y avait eu trop de choses, je ne pouvais pas en encaisser une de plus. Il a fallu 3 jours, j'ai différé le chagrin. Des fois, on met plus de temps que 3 jours entre le choc et le moment où on laisse l'émotion venir, où on lâche prise. Voilà, ça parle aussi de ces chagrins qu'on diffère parce que parfois, au moment où ils arrivent, on n'est pas en mesure de les recevoir comme il le faut. Et voilà. Peut-être terminer petit à petit vers la fin de notre échange, mais sur une note quand même positive, puisqu'effectivement, le 24 août 2021, tu dis ceci: la convalescente que je suis prend le temps de longues promenades. Ce soir, la lumière était douce sur la campagne. C'est un Oui. beau moment, ça, c'est intérieurement. Oui, parce que en fait, je ne pouvais pas faire grand-chose et donc la rééducation, c'était surtout d'être capable de faire des promenades. Et comme j'avais peur de la chaleur, dès qu'il faisait un peu chaud, bon, c'est pas un été très chaud, mais j'avais quand même vraiment beaucoup de mal, j'avais du mal à respirer, c'était compliqué. Donc je faisais mes promenades le soir au moment où le soleil se couchait. Et je suis une cérébrale, mais je suis pas une grande contemplative. Encore que le fait d'avoir déménagé à la campagne depuis 3 ans, on vit au rythme des saisons. Vous passez, dès qu'on prend la voiture, il y a des champs, donc les couleurs changent. Il y a des moments où c'est cultivé, les moments où c'est pas cultivé. Il y a la couleur du blé qui change, il y a les tournesols qui se tournent vers le soleil. Quand on passe le matin, ils sont pas dans la même position que le soir. Il y a toute cette nature qui se rappelle à vous. Et qui se met à rythmer les journées, les saisons, les mois d'une façon complètement différente. La ville, pour ça, c'est très froid. Mais du coup, comme j'avais toujours vécu en ville, j'avais oublié ce lien avec la campagne. En fait, l'apaisement que peut apporter la contemplation et la beauté de la terre, la beauté du ciel, la beauté de ce qui nous entoure et nous dépasse. Et oui, j'avais pris la photo parce que je trouvais ce ciel particulièrement merveilleux. Je crois que ça a un nom, le moment où c'est comme si c'est pas du feu parce que le feu ça fait peur, c'est violent, mais ces embrasements de ciel qui annoncent en fait la nuit qui arrive et qui font pas peur du tout. Et qui sont des moments où la lumière est particulièrement douce, particulièrement belle. Et on a l'impression que qu'on est dans une cathédrale, que tout est. Vous savez, les rosaces des cathédrales, quand on rentre et qu'il y a tellement de hauteur et en même temps beaucoup de lumière et beaucoup de silence, et tout d'un coup il y a un moment d'apaisement total. Et ben, les moments où la nature, ça c'est ce qu'on essaie de reproduire à l'intérieur de certains monuments, et ben c'est le moment où la nature, elle vous donne cet apaisement, elle vous donne cette lumière, et vous comprenez dans l'architecture ce que les hommes essayaient de trouver comme sensation. En fait, ce qu'ils essayaient de trouver, c'était la beauté qu'a la nature, et puis en même temps la protection de la pierre, et de mêler les deux. Et voilà, je trouvais que c'était ce que j'avais pu ressentir dans l'architecture, dans certaines architectures, mais elles sont faites pour ça d'ailleurs, et ben tout d'un coup le ressentir dans la nature avec en plus ces espaces infinis, voilà, ça me faisait penser à un poème de Verlaine, le ciel est au-dessus du toit, je sais plus si dit si blanc, si calme, parce que je me souviens plus du poème, mais je me souviens de ce que j'éprouvais en le lisant. Et voilà, il y a la paix que peut donner la nature. Elle peut être violente, la nature, elle peut être rude. Je souhaite à personne de dormir la nuit dehors, et ça arrive à du monde malheureusement. Mais dans ces moments-là, quand vous vous sentez en connexion, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre place dans le monde.
Donc, et puis moi qui avais du mal à respirer, cette espèce de détendue qui s'offrait à moi sous mes yeux, cette perte de vue, ça compensait la perte de souffle. C'était presque le monde qui me donnait son souffle et moi qui pouvais le reprendre. Oui, pour le coup, tu as retrouvé peut-être ce lien à la nature et tu es devenue une femme moins cérébrale. À ce moment-là, oui. Donc c'est pour ça que j'ai éprouvé le besoin. Et en fait, quand on est moins cérébral, on a besoin de moins de mots. Oui, mais c'est vrai, comme tu le dis aussi très justement, c'est que souvent on prend évidemment des bonnes résolutions, mais en même temps, notre nature, je dirais, elle est aussi ce qu'elle est. Et quelque part, même si on a vécu des moments forts et qu'on se dit on peut fonctionner différemment, vivre d'autres choses, il faut rester vigilant, c'est-à-dire qu'on reprend vite ses anciennes habitudes si on y prend garde. Oh oui. Oui, parce que en fait, le cerveau prend des raccourcis et Ben oui. puis il a l'habitude de ces chemins de colère, d'énervement, donc il les retrouve très vite. Après, l'âge, ça aide aussi beaucoup. Il y a des choses que j'aurais pas pu faire à 30 ans, pas pu faire à 40. L'âge et l'expérience. Et puis aussi le fait de s'être beaucoup trompé, qui fait qu'il y a des chemins que vous reconnaissez aussi et vous savez qu'en fait, ils ne vont pas vous amener ni très loin, ni dans de très belles choses, ni dans de très belles relations aux autres. Donc on apprend à les couper, à les chanter pour faire autre chose. Ce n'est pas que notre premier mouvement soit toujours le bon, mais au moins le deuxième peut nous ramener sur le bon chemin. Donc je ne dirais pas qu'on ne se trompe pas, je dirais qu'on se corrige plus vite. Qu'on se rend compte qu'on est sur la mauvaise voie plus vite et qu'on a plus de force pour ne pas se laisser entraîner par les passions tristes, tout en étant capable de vivre les passions belles. Céline, en fait, je te remercie évidemment pour cet échange parce que je souhaitais précisément que l'on sache un peu mieux, que l'on voit un petit peu mieux quelle était ta propre traversée, quelle était la femme que tu étais devenue. Et ça me faisait penser, et en voyant nos échanges évidemment en amont, ça m'a fait penser aussi à un texte que je souhaiterais lire qui est à mon sens très beau, qui est un petit peu cette voix que chacun quelque part a essayé de laisser émerger en soi. C'est un texte de Lucas Hautin intitulé C'était une voix. C'était une voix que je n'avais jamais entendue, qui me parlait pour la première fois, directement vers l'intérieur, un ton droit, une parole froide, intime et effrayante. C'était une voix, c'était l'inverse de tout ce que j'avais lu avant, des mots qui disent l'angoisse et la peur et la solitude, calmement, sans mentir, sans rire. C'était une voix. C'était quelqu'un qui me parlait enfin, qui me parle dedans. Maintenant, tout est différent. Je me suis entendu penser avec une toute autre voix. Je me suis senti enfin me tendre la main, prendre dans mes bras ma solitude. La voix dedans m'a dit, tu n'es pas seul. La voix dedans m'a dit, tu peux aller par le chemin même s'il fait mal, si cela te semble plus juste. La voix dedans s'est faite mienne. Elle m'a dit toutes ces choses que je savais déjà. Je trouve ça très juste et très beau. Oui, en fait, vieillir, quand ça permet de trouver sa voix intérieure, c'est pas si mal. Voilà, ça compense de certaines choses extérieures, peut-être un peu. Disons que ça console de beaucoup de vanité. On ne les perd jamais tout à fait, hein, ça, il ne faut pas non plus se leurrer. Mais la voix intérieure, elle peut nous amener très loin, elle est consolatrice et elle donne du sens à la vie. Voilà, je pense que nous avons tous à essayer de laisser émerger cette voix en nous, et parfois, malheureusement, ce sont les épreuves qui elles-mêmes nous élaguent dans ce qu'on peut effectivement avoir parfois de trop aride. Merci pour cet échange, Céline. Merci à toi parce que voilà, à chaque fois j'ai l'impression que j'arriverai pas à parler et puis tu me fais parler et c'est fluide. Donc merci Merci. beaucoup. Et j'entends des Merci. choses de moi que je ne connais pas. C'est ça qui est. Enfin, en tout cas, je ne les avais pas perçues aussi fort. Donc Merci merci à à toi. toi. Merci également. À bientôt. Au revoir. Au revoir.